peut-être falloir que je sois plus... plus brutal, on va dire. Ok. Du coup, maintenant qu'il est capturé. Ok, là c'est bon. Avant c'était buggé. Ah non, 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 c'est pas... C'est buggé, c'est qu'il est... Ok. Ouais, j'ai pas compris là. La pluie, je peux rien faire. Je vois pas d'objet interactible. Je suis... Le truc là c'est qu'en plus il est redevenu full vie quoi. Puis là il continue à me suivre du coup. Je lui en ramener plusieurs. Mais c'est ouf ça. Du coup, là, il s'est remis à m'attaquer aussi. Mais là, c'est bon, là, j'ai fait des dégâts et maintenant il est redevenu orange et. Et je peux rien faire, quoi.
Y a un bug de script. Y a le script qui est bugué. Je vais tenter une déco recrue. Allez-y. Bon, bah, il y a eu la réinitialisation des positions, comme ça. Ok. Donc, je vais pouvoir la réabandonner, cette quête. Bon, on va tout tenter, hein. On va tenter un petit reload, d'un premier temps. Puis je tente une déco reco. Bon. Quatrième essai. Sinon, je couperai le montage et je demanderai de l'aide dans le chat. Mon marcheur est pas là. Bon, ben je vais couper et attendre voir s'il y a une solution. Parce que là, je vous avouerai. J'ai rien, j'ai pas d'équipement. J'aurais un équipement pour pouvoir la capturer, quelque chose à utiliser. Je dis pas, mais là, c'est même pas le cas, quoi.
Puis je vois pas d'éléments interactibles dans le coin. Ça qui est idiot. Là, il me suit du coup et il m'attaque pas. Il a perdu la, enfin, il a perdu l'aggro d'une certaine façon. Et là, maintenant que je suis repassé à l'attaque. Donc le truc, c'est est-ce qu'il y a... Et là, il va me rebuter, du coup. Il m'a retrouvé encore, encore mort, quoi. Ouais, j'attends qu'il me rebute, hein. Je vais carrément aller. Vas-y, allez. Vas-y, je fais moi. Bon. Hop. Bon, je coupe, je demande de l'aide et je vous reprends. Ok, on est de retour. Hop. Alors, j'ai une joueuse du coup qui est venue m'aider. On va voir ce que ça donne. Mais apparemment, il suffit d'éclater la chauve-souris, c'est juste qu'à chaque fois, moi j'ai un souci avec. Apparemment, je suis pas assez rapide, je fais pas assez de dégâts. Alors bon, voilà, je lui ai dit que je tournais pour YouTube et tout, donc elle est ok. Où elle est? Elle est là, ouais, ok. Allez, hop, c'est parti. Et là, elle va pas repasser en orange. Ok. Bon. Ennuyeux. Ça
C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, regarder éventuellement une vidéo de la quête. Mais pour moi, c'est un bug. Pour moi, c'est un bug, elle ne devrait pas repasser en orange. Parce que dans le chat, ils m'ont dit qu'il faut juste la défoncer. Et en fait, ben non, quoi. Faut la tuer en dehors de la zone, c'est ça? Bon, et ben on va devoir mettre fin à cette session de tournage. Parce que la quête bug. Dès que je me refais agresser, c'est fini quoi. Bon, on va la retenter autrement. On va la retenter autrement. Je la retente une dernière fois pour voir un truc. Tant pis si je perds de la vie, même tant pis si je meurs, mais je vais faire un truc. C'est là, je me mets au pilier. Ouais, je vais mourir là. Je vais mourir. Ouais, cherchez pas, je suis mort. Encore une fois, je suis mort. Du coup, c'est pas grave, on va... Hop. Ah, j'ai encore un... Je suis censé avoir un PNJ qui arrive. Vers le vide.
Oui, attends, j'accepte, attends, je suis... Bon, je retente une dernière fois. Je me dis un truc, c'est, je bouge peut-être un peu trop vite. Ouais, c'est bon. Je bouge peut-être un peu trop vite quand je quitte, quand je. Vous savez, quand je... Bah attendez, je vais voir lui là, parce que lui là. J'essaye un truc. Je vais essayer aussi sans mon marcheur. Bon, je tente un truc. Je tente sans mon marcheur. Et là, je bouge pas là. Là, je ne bouge pas d'un poil. Et surtout, je fais ça sans mon. Sans mon marcheur. Pour voir un petit peu. C'est peut-être la perte d'aggro. Le problème. Vu qu'il n'a pas mon aggro, qu'il passe sur l'aggro de quelqu'un. Putain, c'est ça. C'est parce que vu qu'il passait sur l'aggro de mon marcheur. Oh putain, alors ça c'est un bug. Mais qui arrive jamais.
C'est bon. Par contre, là, c'est chiant. Hein. Attendez, pourquoi? Alors, par contre, là, il va se bloquer à 2 points de vie. Hop. Allez. C'est bon là, je suis... Ouais, bon. Non merci. Oh des chats. Bon. On va la prendre, on va la lire. Alors là, je vais devoir déco réco, mais je dois quitter le jeu parce que je peux pas faire une déco étant donné que je suis en attaque. Vu que je suis en attaque, je peux pas déco. Donc je vais devoir fermer le jeu et le reprendre. Du coup, petite pause, le temps que je relance le jeu. Voilà, le jeu est relancé. Très très gentille cette joueuse. Merci beaucoup à elle. Enfin, elle joue un personnage féminin, donc je dis elle. Hop, accepter. Hop, close. Ok, bon. Elle a dû repartir, hein, du coup, mais bon, voilà. Alors, du coup, on va continuer. Ça a été long, hein, cette histoire. Là, c'est chiant que cette bug soit, enfin, cette quête soit buggée. On va lire la suivante. Lorsque ça est prêt pour la chasse, la chasse peut enfin commencer. Conduisez-le à l'apogée. La tarpeur et les hommes sont partis devant. Hâtez-vous, s'il y a bien une chose qu'elle déteste, c'est qu'on la fasse attendre. Ok. Donc, petite explication, en fait, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que la chauve-souris, le marcheur du ville prenait son aggro, et vu qu'elle ne ciblait plus un joueur, mais un autre monstre, il passait en bug, en fait. La chauve-souris passait en bug et repassait en marron, parce qu'elle considérait qu'elle avait perdu l'aggro du joueur. Normalement, c'est pas censé arriver, ça, et c'est parce que la classe démoniste est un petit peu particulière. Je suis sûr que si on fait avec un mage spécialisé haut, donc qui utilise aussi un familier, ou même un chasseur, qui ont la faculté de pouvoir prendre l'aggro à la place du joueur, je suis sûr qu'avec ces deux autres classes-là, je suis sûr que le bug se répétera. Soit avec un chasseur qui utilise son familier, soit avec un mage qui fait appel à son familier aussi. Le problème, c'est d'utiliser en fait un familier pour l'attaquer. Le problème venait de là. Si le joueur perd l'aggro, la chauve-souris bug.
C'est ma théorie. C'est ma théorie, en tout cas, ça a l'air de se tenir. Enfin bref. Autre chose aussi, j'ai refusé le don de la joueuse. Hein. J'aurais pu l'accepter, mais non, je veux gagner mon argent, entre guillemets, légit. Cependant, il n'est pas impossible que là, dans un proche futur, je passe en fibre. Que j'ai enfin la fibre dans mon village. Et que je me lance dans des lives. Alors, peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, ça fait peut-être déjà plusieurs mois que je live. C'est pas impossible. Je sais pas encore si je vais le faire ou pas. Au moment où je tourne. Mais vous serez peut-être plus au courant que moi. Pour le coup. Et si on live, éventuellement, si on fait des lives sur World of Warcraft en communauté, en direct, oui, ça serait très très sympa qu'on puisse farmer ensemble des donjons. Et éventuellement, ben, que je récupère des équipements, voilà, que les joueurs avec qui je farme me donnent l'équipement qu'ils récupèrent, qu'on fout tout à l'HV et qu'on se fasse un business à plusieurs dans l'objectif d'atteindre les 5 millions de PO pour acheter la monture qui permette d'avoir l'hôtel des ventes là. Ça serait le top du top. Mais bon. Hop, je vais récupérer ce fly. Bon voilà, ça c'est un projet, je sais pas s'il peut être abouti ou pas, mais voilà. Nul besoin de me connaître, Mais quand j'aurai la fibre, alors no normalement vous avez cet épisode courant octobre ou courant novembre, normalement j'aurais eu la fibre depuis plusieurs mois, normalement. Parce que là, au moment où je tourne, on est en avril. Hein. Oui, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés entre le moment où vous avez la vidéo et le moment où je l'ai tournée. Donc j'annonce. Oui, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, si je me lance dans les lives, eh ben, on aura. Voilà, peut-être que j'accepterai le don des joueurs qui feront partie du live, en fait. Ça sera tout à fait. Voilà, ce sera cool. Bref, on est reparti. Il reste un dernier détail à régler avant d'ouvrir la chasse d'abnégation. Les autres chasseurs et vous allez devoir siphonner les traces d'Alima qui ont ressurgi de cette âme lors de son séjour dans le bosquet de la terreur. Ne vous en faites pas, ça reviendra tout seul. Ça viendra tout seul. Ensuite, nous nous en servirons pour suivre leur piste. Quand ça sera fait, je vous demanderai de donner le coup d'envoi de la battue. La trappeur vous remet un pieu d'anima et un croc creux de chrysophe effroi. Ces outils sont essentiels au bon déroulement de votre tâche. Vous êtes des âmes privilégiées, aveuglées par l'orgueil et l'arrogance. À vous, utilisez le croc pour annoncer que la chasse est ouverte. Fuyez donc, âmes orgueilleuses, que la peur vous porte! Il suffit d'une faiblesse pour se trouver vulnérable. Ok. Ces pauvres âmes n'ont qu'à bien se tenir. Et surtout, n'oubliez pas, la terreur que vous leur inspirez est un service que vous leur rendez à elles comme à Ravendreff. Lorsqu'une âme se laisse gagner par la peur, elle devient plus active.
plus réceptive à nos méthodes. Le maître a demandé à ce que vous vous occupiez personnellement de l'accusatrice, mais nous en avons d'autres à chasser avant elle. Je vais vous guider dans votre toute première chasse, parler à la traqueuse de la colline de V1 et participer à la chasse. Ok. Et on obtient un anneau à chier. Dévore ça. Si les âmes demeurent notre cible principale, un autre défi se présente à nous aujourd'hui. Le Malbois est infesté de dévoreurs, des parasites répugnants qui se repaissent de l'anima dont nous avons tant besoin pour survivre. Un défi à la hauteur des plus grands chasseurs. Vous ne trouvez pas. Le maître soit loué. Ils sont jusqu'à présent restés cantonnés dans quelques rares secteurs reculés, mais si on n'intervient pas, ils risquent fort de se multiplier. Exterminons-les avant qu'ils ne nous créent des ennuis. Oui, Brisepoire, vous pouvez commencer. Avez-vous connu la vérité? Que la chasse commence. Ok, alors je propose, c'est, on se concentre sur la chasse, et si on, voilà, si on voit des dévoreurs, enfin, on fera les dévoreurs après surtout. Des manifestations de leurs ultimes espoirs. Nous approchons. T'as la vache et le. Il est résistant. Oh non, mais il régène en plus! En fait, c'est de la chasse à courre, quoi. Non, c'est même pas de la chasse à courre, c'est. En fait, c'est du lâcher. C'est de la chasse au lâcher, en fait. Ils lâchent leur proie et après, ils les chassent, quoi. Une fois emporté par la peur, même le maître chien ne peut plus résister. Celui-là ira chez Dame Sombreveine. Bon, je vais le faire parce qu'il est sur la route. Non. Par contre, c'est des sacs à PV, hein. Ça va être long, hein. Je vous annonce, ça va être long.
pouvoir choisir une cible. Regardez, il suffit de frapper une âme de peur pour que son anima coule à flot. La peur vous laisse sans défense. Allez, les salles de l'expiation vous attendent. Bon, on va aller s'occuper des... dévoreurs, du coup. Hors de portée. Ah mais l'ours, il fait chier. Oh merde. Bon, le l'ours, ça c'est pas un problème. Il peut vite être défoncé, c'est pas un problème. Oh merde. Ah bon.
Bon, 5h12. Ah bordel, il y a encore un ours à côté là. On est à 7 sur 12. Allez, plus que 3. Allez. C'est pas le dernier. Par contre, je sais pas où est passé l'autre là. Elle m'a pas rejoint. Merde. Ah,
J'ai perdu le PNJ. J'ai perdu le PNJ. du coup... les ennuis. Les ennuis. Bon, c'est pour ce que je tiens. Non, mais c'est con. Puis là, j'ai deux PNJ là, mais non. Je sais, je vais devoir attendre un nouveau joueur. Je vais devoir attendre un... je vais avoir le même problème qu'avec le... Qu'avec une quête en Maldraxxus comme ça. Où j'avais pareil, où il y avait un PNJ qui avait disparu, vous vous souvenez. Et j'ai dû attendre qu'un autre joueur débarque. Ah, l'enfer. Ah merde, c'est vrai. C'est vrai que le chariot me blesse. C'est vrai que j'ai oublié ça. Zut. Est-ce que si j'abandonne la quête et je la reprends? Alors pas celle avec les 12 mobs, hein, faut pas déconner. Mais et ouais, je vois que ça, hein. Alors c'est laquelle? C'est celle-là. La chasse, c'est pas grave. On va refaire celle-là, c'est pas grave, je l'abandonne. Voilà, au moins elle réapparaît. Brise-poire, vous pouvez commencer. Et vous empestez le vice. Je n'aurai aucun mal à vous retrouver. Bon. Il est vrai qu'on peut mourir de peur. Bon, on est sur la fin de la campagne, hein. Du coup je vous rappelle que le serveur il est toujours en bêta, donc la fin de la campagne ça va forcément être la plus buggée, hein. Parce que là elle est censée être à mes côtés et elle est pas là.